Ok les gars, du coup on est parti pour la boutique du 12 novembre 2020. Du coup on n'oublie pas le petit code créateur MELFINGRECT en majuscule en minuscule, on s'en fout, on accepte. Du coup on a les skins chevaleresse rouge au prix de 2000 V-Bucks. Ensuite on a la pioche, la hache pourpre au prix de 800 V-Bucks. Ok, ensuite on a la skin Echo au prix de 1200 V-Bucks avec ses custom en inversion. Ensuite, on a la double pioche pique inversée au prix de 500 bucks avec sa custom en clair. Ensuite, on a le planeur éco-propulseur au prix de 800 bucks avec sa custom en clair. Ensuite, on a un camouflage éco au prix de 300 bucks qui n'est pas animé. Ok. Ensuite, on a un skin Tsuki au prix de 1200 bucks. Ensuite, on a le skin Le Frelon de Cuivre au prix de 1500 bucks. Ensuite, on a la pioche Mégapoint au prix de 1200 bucks. Ensuite, on a un camouflage Frelon au prix de 300 bucks qui n'est pas animé. Ok. Ensuite, on a le skin Actini au prix de 1200 bucks. Avec sa custom en vert et en arc-en-ciel. Ensuite, on a la double pioche Visqueuse au prix de 800 bucks. Ensuite, un skin Safari au prix de 1200 bucks avec sa custom sans couvre-chef. Ensuite, un camouflage cathodique qui est animé au prix de 300 bucks. Ensuite, on a une mode péchu au prix de 500 bucks. Ensuite, un skin spécialiste du désert au prix de 800 bucks. Ensuite, on a une mode mort-vivant au prix de 800 bucks. Ensuite, un mode taxi au prix de 200 bucks. Ensuite, on a un pack de skins Corbeau Poule et Câlin Poule au prix de 2000 V-Bucks. Ensuite, on a un skin Corbeau Poule au prix de 1500 V-Bucks. Ensuite, on a un skin Câlin Poule au prix de 1500 V-Bucks. Ensuite, on a le planeur Dracocorne au prix de 1500 V-Bucks. Ensuite, on a un double piège Maillet Juteux au prix de 800 V-Bucks. Ensuite, un mode sur mon scooter au prix de 500 bucks. Ensuite, un mode chimichanga au prix de 300 bucks. Du coup, après, on a le pack entier au prix de 1200 bucks. Ensuite, on a le skin domino au prix de 1500 bucks. On a le skin câble au prix de 1500 bucks. On a le skin. Du coup, là, on a le pack de skin Psylocke. Donc, lui aussi qui est au prix de 1500 bucks. Coup avec les autres skins domino et câble. Voilà, donc là on a Psylocke vendu séparément au prix de 1500 bucks. Ensuite on a un pack de pioches, donc Psycholame, le planeur Psychoplaneur, la double pioche Dague des probabilités et le planeur, enfin et la pioche pardon, Force irrésistible. Donc le tout au prix de 4000 bucks. Du coup là on a la pioche Psycholame au prix de 1200, le planeur Psychoplaneur au prix des 1200 bucks. Ensuite, on a la double pioche Dague des probabilités au prix de 800 et la pioche Force irrésistible au prix de 800. Ensuite, on a le skin Ghost Rider au prix de 4400 bucks avec l'ensemble, donc son planeur Ghost Planeur, le camouflage Crâne de Feu au prix de 500 bucks si je me trompe pas. La double pioche chaîne de feu mystique. Voilà, du coup, on a un skin séparé au prix de 1500 bucks. La double pioche 1200 bucks. Le planeur Ghost Planeur au prix de 1200 bucks. Ensuite, on a un camouflage crâne de feu au prix de 500 bucks. Ensuite, on a le skin Surfeur d'argent avec son planeur planche de silver et la pioche de silver. Donc au prix de 2200 bucks. Du coup on a skin Silver d'argent au prix de 1500 bucks, pardon. Ensuite on a le planeur planche de Silver Surfer au prix de 800 bucks. Ensuite on a la pioche de Silver Surfer au prix de 800 bucks. Ensuite on a le skin Daredevil au prix de 1500 bucks avec sa custom en dessiné. Ensuite on a double pioche Matraque de Daredevil, pareil en dessiné. Ensuite, on a le planeur L de Daredevil au prix de
auprès du 800 M-Buck avec ce custom en dessiné. Du coup là on a le pack entier auprès du 2200 M-Bucks. Ensuite on a le skin Captain America auprès du 2000 M-Bucks. Ensuite on a l'emote Digne Salut auprès de 300 M-Bucks. Ok. Ensuite on a la double, les double points écraseurs de Hulk auprès de 1200 M-Bucks avec Hulk Buster. Ensuite on a le mode claque auprès de 200 M-Bucks. Ensuite on a le pack Blade donc auprès de 2300 M-Bucks. Du coup ça fait qu'on a Blade avec l'épée du Dirnambule qui est aussi en pioche. Donc voilà, c'est que custom avec une veste. Ensuite on a le katana du Dirnambule auprès de 300 M-Bucks. Ensuite un planeur Eldiorn auprès de 1200 M-Bucks. Voilà. Du coup c'est tout pour cette grosse boutique. Donc du coup ils ont remis tous les skins Marvel. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Demain le petit code créateur, mettre fin grec T en majuscule, en minuscule. On s'en fout. Hop. On accepte. Et puis tchè tout le monde.